dimanche là, mesdames et messieurs, nouvelle ça, mettez la joie dans le cœur tout haïtien, haïtienne, de partout à travers le monde là, Haïti précisément, la caille nous, maman nous, et quel que soit côté n'a vivre, nous pas oublier Haïti, et quel que soit ça, Haïti a traversé, n'a toujours été haïtien, et Haïti a toujours été la caille nous. Oui, ça n'a pas gagné à sortir de là, mesdames et messieurs. Et dans le moment où on a parlé là, avec un colonel Himmler Ribu, nous pourrons l'inviter à confirmer l'arrestation Ariel Henry et en bas mais FBI. Depuis quelques jours là, Ariel, monsieur, pas dans le pays, monsieur, voyagé, il tellement senti à l'aise, le pays a en bas coup de balle bandit, même si pas voyager, vivre, retourner dans le pays étranger, à le flâner, à le friter la caille blanche. Eh bien, monsieur sortil pas qu'à rentrer et franchement, Ariel Henry, pour qu'on quitte, monsieur capable de mettre pied dans le pays d'Haïti. Selon le colonel Himmler Ribu, mesdames et messieurs, c'est une arrestation, c'est une forme d'arrestation qui fait sous PM, non? Et monsieur Embamé FBI, monsieur sous sécurité FBI, ça veut dire Ariel Henry, monsieur, oui, selon ça, nous capable de comprendre, monsieur en bas code. Monsieur pas en bas code, même gens ont arrêté un individu, mais monsieur, oui, son arrestation qui fait, et pour qu'on ait monde qui ont même, mais comprendre ça qu'a fait là, parce que, et depuis là, Ariel, monsieur, allé pour là, il fait escale Saint-Domingue, Dominique, il dit pas qu'il bagaille comme ça, précisément, président pays, et monsieur, territé États-Unis, Amérique, dit non, rentrez la carreau, mais fois ça, il y a tout qu'un monsieur, et Puerto Rico, c'est dans toute information et c'est sous, l'ordre FBI cap sécurisé, monsieur Ariel Henry. Eh bien, colonel Himmler Ribu, qui sont anciens officiers de l'armée d'Haïti, on est qui très présent dans la question politique pays, a, monsieur Pral dit nous comment bagaille et raison qui fait FBI obligé fouquer PM de facto à Ariel Henry. Guy Philippe, gros discours dimanche pour Palais National, tête droite Port-au-Prince lié, pas gagné menti dans ça, parce que pays a pral connaît un moment. Et donc, changement avec Guy Philippe, eh bien, qui est même déjà prêt là pour prendre tête pays ça, parce que Ariel, aucun espoir. Ariel, pour qu'on ait monde qui connaît, est-ce que monsieur a pas rentré dans le pays, ou bien est-ce que c'est parti, ça a vint prendre, et puis pour le porter, aller, caille en tonton Sam, parce que Blandi, c'est fini pour Ariel, Blandi, ou pas dans Ariel encore, parce que monsieur sont incompétents, aucune capacité, monsieur pas qu'à diriger tête pays, ça, parce que sous gouvernement, monsieur, a, nous voyons comment gang yo pied à l'aise, nous voyons comment gang yo, et yo senti comme si c'est papa yo, c'est boss yo, c'est maître yo, qui au pouvoir, eh bien, yo fait ça ou vle, yo frappe lè ou vle, yo boule commissariat lè ou vle, yo joue France LB lè ou vle, surtout pour chef ganga village là, nous voulons parler de ISO qui toujours a traité France LB du fatra, mais est-ce que en tant qu'un PDG, ou bien en tant qu'un DG de la police, est-ce qu'on t'a capable de quitter yon chef gang à traiter de fatra? Est-ce que vous parlez ça ou les colère? Est-ce que vous parlez ça ou les donc et honte souci pour ta dit bon fois ça m'a pas quitté chef gang ça continue à dérespecter m en tant qu'un officier et ben m'a metté pied à terre pour nous bailler monsieur ça mérite à côté ça France LB pas qu'à faire alors que tout temps PNH là sous contrôle hein. Eh bien, France LB qui est même dans confiolo avec Negyo, France LB qui est dans sous carotte avec Negyo, France LB qui mange dans même bol avec Negyo, surtout pour éviter l'homme, eh bien, monsieur pas capable de prendre une décision, monsieur pas capable de faire un colère et puis il dit bon, n'a pas rentré village, ti monsieur, dans le ratiboise zone ça, innocent comme coupable doit tomber parce que dans l'opération, soit tenté pour éviter innocent ou pas jamais ratiboise un gang, surtout pour village de Dieu. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons inviter au temps des discours tête chargée Guy Philippe qui vont un message clair par le gouvernement Ariel là et ni tout petit monsieur Ami. Entendez pour plus de détails, bonne écoute, bon dimanche, n'a pas tourné. Mais ouais, nous pas tenu compte de lui. C'est que le docteur Ariel Henry, sa sécurité est assurée par l'institution qu'on appelle FBI. Le FBI. Oui, nous dit ça hier. C'est une information subtile mais qui est très importante, oui. Non, surtout de vous, on a plus bien compris avec vous. Parce que les hommes sous contrôle FBI, c'est un monde qui n'ont pas de quête criminelle. Parce que les assurés de sécurité, un VIP, aux États-Unis, c'est Secret Service qui a chargé de ça. Sou gros bay wap di la, kolonel, ça veut dire c'est
Depuis c'est FBI qui a sécurisé les informations à la sécurité PM, dans son enquête criminelle, présence FBI pas comme ça, comme ça. C'est un monde qui nous semi en barcode. Semi en barcode? Bon, oui. Bon. Le bail a pas tout le monde. C'est ça, assez souvent, haïtien pas gain, yo analyse ba yo avec émotion yo. Dans le sens, yo remè, yo raï. Oui, oui. Mais yo pas ouais langage institutionnel yo. Très important, très important. Le gros danger que pays a, d'ailleurs, c'est déstructuration institutionnelle pays a, qui mène nous côté nous y là. Donc, moi je voulais souligner ça pour mon trip sur les réseaux sociaux, cap font pile trip. Moi je dis le au monde, yo mettez en bas sous custodia, en bas contrôle FBI, c'est au monde qui en bas yo institution qui chargé de remonter les filières des crimes et pas des délits. Ça veut dire là, Kolo, si nous bien entendons et nous avons pu bien comprendre, son forme d'arrestation de BM, non? Si le docteur n'a pas fait attention, pas tant de bien, ça a demandé, tout le monde a demandé. Pour le démissionner. Il a suggéré le démissionner, il a fait tête là. C'est retrouvé, pour le retrouver le face en moins d'accusation. Il a arrêté. Même il a arrêté déjà. Bon. Ils n'ont pas dit ça de manière claire. Parce que si c'est ton père, même un ministre haïtien qui voyageait aux États-Unis, depuis un voyage officiel, le secret service qui changeait de sécurité, lui. C'est vrai. Son détail, peut-être personne ne va voir. Même souligner attention tout le monde qui a écouté. Non, ouais ça colonel, son gros bagay ko ou fait pays a ouais la matin, tout pays rap tande là. Donc nan forme que ça fait là, présence FBI pour répéter ou même c'est que là sous forme d'arrestation et présence FBI c'est pour enquête criminelle. Mais que m'a dit n'importe qui monde aux États-Unis, n'importe qui monde qui bon dans la feuille. En situation que les FV, c'est quand que Tadou, yon l'on problème et puis yon mette le sous contrôle d'yé. Bon, là on a question d'où, on a question. Même si yon pourquoi arrêter, ou mettre connaît que moun qui fait d'yé à balle sécurité, a tout mon papier pour la loger bali tout à l'heure. Là yon mette le sous contrôle FBI. Yon dou attention. C'est un autre moment si bagay yo vire mal yo kap mette au papier par rapport à qui accusation yo gen sou dans des bagay qu'il y a des crimes. Donc là on a plaidé et dit docteur a démissionné. C'est un scandale là yo pou vle rive. Yo pas vle rive dans scandale là. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, nous t'apprenons des extraits. Effectivement, nous t'apprenons et parlons de ça, nous t'apprenons de ça. Et puis, nous saluons les amis par nous, Rod Joseph également, qui t'apprenons quelques petits détails sur ça, merci en pile. Oui, c'est exactement ça. Et Ariel, pas gué ou pas bois, individu, monsieur en bas code là, mais simplement, et moi-même, moi, pour comme si, moi, tellement hâte pour m'entendre ces mouns qui t'es financé la mort à combien de millions, pour m'entendre pour au prêt là. Hein, parce que Pabli est là, Genèk qui là, mais nous ne pas jeune poser tête nos questions. Dimitri sous pouvoir. Dimitri Vob sous pouvoir pour le bac à mille pile Haïti. Monsieur, Jean-Nex a remis Haïti. Jean-Réginal Boulos remet Haïti pour Réginal Boulos. Pas grand entrer Haïti là, monsieur. Nous ne pas jeune poser tête nos questions ça. Nous pas jeune poser tête nos questions pour gentil monsieur ça remet Haïti ça pour yon pas de gâte à courir rentrer. C'est des questions. Même là, nous avons des problèmes. Toujours, c'est un monde qui toujours a dit les États-Unis font nous mal. Évidemment, les gombas qui sont bien. Faut que nous soyons capables de dire lui. Eh bien, dans ce sens, ça, FBI a bien passé là, dans quelque sorte, jusqu'à maintenant. Et oui, Lionel, Salomon. Bon, et Jimmy, nous faut que nous explicitions par rapport avec la, ça, FBI fait. Là, on dit FBI, on dit c'est Federal Bureau of Investigation, qui est une entité. Et aux États-Unis qui chargé d'investiguer sur les crimes, notamment sur les crimes de sang.
Donc, Ariel Henry, qui est marqué là sous contrôle, si a écouté, ça, quelqu'un a dit, vous pouvez comprendre que Ariel Henry, libé. Non, c'est pas ça. C'est sous crime. Et Ariel Henry, même, il était ordonné que fait souffrir des jeunes Moïse, qui était participé, et juste en cours, et qu'on a enquêté sur lui. Donc, on a déjà gagné plusieurs ordonnances juste qui les a rendues, mais notamment, on a dit, on a dit avec information ça. Ouais, par rapport avec le dossier Ariel Henry, c'est en pile entité. Mais il y a pas mes gangs. Bon, gang, c'est toujours pas mes vies avec l'armée rouge. Mais ces dernières années, ça a accéléré le processus armé, jeunes garçons et jeunes filles dans le quartier populaire. Bah, la dégénéré net après la mort du président Jovenel. On dit qu'il a commencé 3 mois avant la mort du président Jovenel en mars 2021. Quand il y a tellement de gangs, ou tellement de négames, ou tellement de gens dans la rue. Comment on va faire un processus de paix sur sortir pour faire un génocide? Comment on va mettre la paix sur sortir pour venir tuer un pile monde, un pile haïtien, un pile innocent? Un pile pays dans un problème ça. Un pile pays te fait face à problème ça. Je dis à monde qui a parlé de gang mal, c'est eux-mêmes qui a mes gang, c'est eux qui mobilisent, c'est eux qui me disent dans la rue. C'est travail, monsieur, jeune monsieur, ça a fait. Je dis à eux fatigués, ils ont fini de faire travail. Yo pensé que dans proposition soi-disant on va le gang laisse yo dans gang moi c'est 3 mois c'est 3 mois m'entrer en Haïti dans qui gang m'était dans bagaille ça me connaît même vinn là me font constat mon problème c'est normal comme un citoyen engagé pour me chercher solution et solution durable et nous on cap venir aucune solution durable je dis en Haïti si nous pas mettre en commission pour vraiment vrai considérer ça créer en amnistie dans pays qui ça amnistie son commission cap gagner plusieurs points pour le toucher vérité. Pas il faut que la vérité qui dit, justice, pardon, ou bien amnistie, si on veut là, et puis réconciliation. Et puis pour faire réinsertion et à un seul de monde dans la société. Là. Vérité, il faut que tout le monde accepte, mais qui ça fait qui va bon. Mais ce n'est pas un seul bagage qui a concerné monsieur jeune garçon dans la rue seulement. Il faut le concerner gang à cravate, il faut le concerner vagabond qui a pillé l'État, crasé l'État. Et c'est eux. C'est eux responsable. Ça qui a privé aujourd'hui dans le pays. Là. Si tout jeune ça, ou désespéré, prend route, ça, c'est parce que nous-mêmes, comme monde qui a dirigé comme élite et l'État, nous faillons à mission, nous pas de jambes là pour eux. Donc, il faut que nous posions une question. Et nous qui volent 9 billions de dollars, qui est capable de faire route, qui est capable de faire aéroport, qui est capable de faire infrastructure pour nous recevoir et touristes, armer la police, nous, armer l'armée, nous, mettez dans condition pour nous recevoir touristes, pour nous créer richesse, pour nous faire agriculture de marché, pour nous mécaniser une série de bagailles, pour nous faire la pêche de marché. Ils ont volé 9 billions de dollars dans moins que 10 ans. Alors, ils n'ont pas gang. Ce n'est pas eux qui ont crassé le pays. Ils n'ont pas plus dangereux que dans la rue. Mais quand même, il faut que nous considérions tout. Parce que nous-mêmes, nous devons la paix. La paix publique, pas de prix. Et président Salvador, que tout le monde a voulu monter à la Lifel, il fait amnistie. Il amnistie en pile le monde. Il bail pardon en pile gros chef. Pour le cap joindre la paix. Président Santos et Colombie, lui obligé à faire amnistie pour FARC. Donc, quand on a parlé, on n'a pas de l'histoire, on n'a pas aucune vision, on va me comprendre. Comment on va retourner avec la paix publique? Si on va le faire génocide, si c'est pas en condition, on va voir comment nous va le faire pour nous suspendre le problème ça. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, voilà, nous t'attendez, hein, et nous t'attendez, Guy Philippe. Je pense que c'est allé comme ça. N'après point ni pour, parce que je connais des gens qui t'a voulu retendre et toi, évidemment. Et puis nous-mêmes, et c'est certain, bon, comment d'aller même lui parler, mais nous-mêmes tout, nous pourrions aller lancer statistiques là, t'as allé comme ça, sondage là. Qui ça nous pensait? Est-ce que nous t'a dû by amnesty? Moi-même, tout à fait d'accord avec commandant Guy Philippe. Simplement, c'est le bagage que m'a pas ajouté. C'est le bagage que m'a ajouté, et puis m'a aller sans filtre. Michel Matéli, ou même qui a combien de millions dans mon lan, pour nous, monsieur Sayo. Monsieur Sayo, voler costumé yo, seule façon pour nous tabay yo amnisti mesdames messieurs, c'est pour remettre tout l'argent yo prend pays ya. Ou même qui gen kay, gros million et dans pays étranger, c'est pour nous al vendre kay sa yo pour nous remettre li à pays d'Haïti. C'est ça lié oui, pas gen pour pas gen l'autre façon pour nous ta commencer penser à gros voler costumé sa yo. Yo nèg ki ou tande tout l'argent placé dans la banque suisse, pendant ce temps, même au dollar bagan en Haïti, ça n'a pas qu'à là-dedans. Si pour y'a là-dedans, comme n'a cherché un amnistie général, eh bien, opinion pam, faut qu'y'a remettre tout million ça y'a, parce que Haïti, mesdames, messieurs, nous capables de rebâtir le pays. Ça qui est là, contre ça, Aristide, président Jean-Bertrand Aristide, qui sont prêts à faire tout comme ça y'a? Monsieur, Aristide prend pouvoir, Aristide pas de gon goud. Matéli, pas de gon goud.
privé à même ça lui même nous pas même baisser parler il pas de gon good je dis à la pour Haïti dans ça lié là monsieur pendant si monsieur ça n'a dit bandi à sa patio yo dit y a mettre zam dans de côté mais pour que ça Aristide pas cache à son table les anciens présidents ensemble les anciens présidents Jean-Bertrand Aristide Michel Martelly privé on connaît nous faire nous tort mais je dis à la nous capable contrecarrer communauté internationale là nous capable camper pour Haïti on peut le faire monsieur nous capable faire si reste là pour le peuple là c'est peut-être ça n'a toujours metté nous au garde à vous mettez respect devant président Jovenel Moïse peut-être au début ou même ou t'es regardé mal commencé il était mal commencé nous met dit mais à la fin il ressaisit il camper beaucoup de peuple là donc trois anciens présidents ça en partant monsieur tracez exemple là tracez exemple là monsieur combien comme Jean-Bertrand Aristide gagne monsieur combien millions monsieur ça a gagné qui ça a gagné pas qu'à remettre pays là pour nous faire bailler sérieux pour nous commencer à faire route train etc. Oui monsieur bon dis-moi moi je pense que je dis là si monsieur ça il est favorable avec une réinsertion sociale et désarmement et bon peut-être moi monsieur mon dieu problème mais ma personnellement rappelé moi monsieur c'est la Philippe qui a inventé c'est au contraire Mossa j'avais un monsieur ça t'a parlé et le premier qui a été Mossa dans le tiroir c'était Jean-Baptiste. Et puis, Mossa, c'est un barrage qui a été en perspective depuis bien des temps. Mais il a été gagné pour des gens qui ont participé dans le crime financier en deux pays. Mais nous, comme David et Frère, vous avez dit, monsieur, qui est dans la catégorie de l'équipe des hommes, qui ont même décidé pour changer, pour convertir, pour repenser de tout ça qui a été fait. Et nous, David, qui dit ça. Mais monsieur, quand il y a des qui prend ça pour côté de Guy Philippe, là, c'est pas avec moi, vous voyez, avec Guy Philippe. Vous voyez, avec Guy Philippe. Puisque c'est Guy Philippe qui dit, même pas ce que tu me disais, si on réinsertion sociale, je te dis, non, mais tout service de base, mais tes services sociaux de base dans tout ghetto, pour que vous soyez capable de gagner et puis renforcer la justice, je vais tourner dans ça encore. Pour que vous présentiez l'État, pour que vous soyez les élections, et bien, nous avons gardé l'idée politique à vous dans la zone. Parce que moi-même, c'est un homme qui devient ça. Nous avons les campagnes présidentielles qui sont fermées. Nous avons la résidence de la vie dans personne. Et songe c'est m'tap garder la moun ki t'ap dim et depuis que campagne et ouais tout leader ça dans ghetto y a marché bay peuple a menti depuis après ça relé au bandi et c'est même mes ça Aristide kon monte grave na côte en 32 grave na côte la plus je dis même même ça après tir la plus bandi donc ça veut dire les hommes et messieurs y relé agent social les pas messieurs relé au bandi même pas que tu mets bien fait dire dans côte moun ki te là parce que les ba 9 mm pour coller photos.